Coucou, coucou les amis, bonjour. Bonjour mes beautés de followers. Bonjour mes amours de followers. Il est d'abord quelle heure? Faut pas que je rate mon train. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Faut pas que je parte. J'ai envie de. Je vais aller là-bas. Dis donc. Quand même quoi? Je dois prendre mon train. Bonjour. Et que 50 étoiles déjà envoyées. Mbefongan, merci. Merci ma chérie. Et que. Je n'ai même pas encore fait la raquette. Je n'ai même pas encore fait la raquette. Tu as fini avec moi. 50 étoiles envoyées. Crions sur les femmes qui font venir leur mari dans les clashs sur les réseaux sociaux. Crions sur les femmes qui font venir leur mari dans les clashs sur les réseaux sociaux. Depuis quand? Quand je vous dis que vous oubliez les mœurs, un mari qui clash une autre femme sur les réseaux sociaux, c'est comme si mon père fumait, prend le téléphone, il commence à insulter veuve ou pipi ou gringa ou tout le monde. Je vais lui dire non, chérie. Laisse-moi dans ma bouillabaisse avec mes soeurs. Ce sont mes soeurs. Laisse-moi dans ma bouillabaisse avec mes soeurs. Comment tu peux venir mettre ta bouche dedans? Ya, les femmes, ya, le complexe du blanc, ya. Ya. Donc, parce que tu es trop mariée avec le blanc, ça fait quoi? Qui mouffe? Tu es la première mariée avec le blanc. Maman! Donc vous êtes encore au niveau que vous valorisez le blanc parce que vous êtes marié au blanc. Faut vous marier avec le noir, hein? Où on sent, tu confirmes le code que oui, je suis marié en africain. Le blanc, c'est qui? On lui chie dans la gueule. Hein? Le blanc entre dans les clashs. Oh mon mari, mon mari, mon mari. Dans les clashs. Les clashs de où même? Les clashs Facebook-tik. Facebook-tik, yo! La honte, oh! La honte. La honte. Vous avez vendu la honte au chien. La Starmania à tout prix. Un homme qui vient de. Un blanc qui vient dénigrer ta soeur. Même si c'est ton mari. Non, non, non. Moi, je dis non. Le nombre de fois que je me suis fait insulter sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais permis à Papa Fumé de venir dire, venir manquer le respect à une soeur. Parce que je lui ai dit que je suis dans mon monde Facebook. Laisse-moi là-bas me renverser avec les filles là autant que je veux. Mais respecte la femme. Nkas a dit qu'on t'a chassé. Fais attention à Nkas. Léoningono. Nkas m'a clashé. Donc, Nkas. Moi, tu viens me casser dans mon truc. Léoningono, laisse-moi dire. Je suis à fond dans un autre dossier. Tu as même. Nkas dit qu'on m'a chassé. Nkas est bête. Nkas, si tu as dit qu'on m'a chassé, c'est que tu es bête. Tu es aussi bête que ton alcoolique de côté. Non, non. Oui, les gens de Facebook, si. Voilà que tu veux déjà me transformer mes palabres. Ya, les femmes, si. Ya, on peut être comme ça. On peut faire ça, c'est ça. Pourquoi tu es sur Facebook? Pourquoi tu es sur Facebook, ma deux couleurs? Pourquoi tu es sur Facebook, ma deux couleurs? Pourquoi tu es sur Facebook? Pourquoi tu es sur Facebook, ma de couleur? Tu es sur Facebook pourquoi? Tu es sur Facebook pour animer la galerie? Pour qu'on s'insulte, qu'on se déchire la gueule? Mais ne permets pas à ton mari, même si je ne porte pas ma foufou dans mon cœur, non, je n'ai pas apprécié, je dis non, surtout venant du blanc. Surtout venant du blanc. Mon parfumé, c'est un homme respectable et respectueux. Mon père fumé, c'est un homme respectable. Nkas c'est bête, dis donc. Léonie, laisse-moi finir mon dossier ici. Pour Nkas là, Nkas,
En cas, je croyais que tu étais propriétaire de ta maison. Hein. C'est que tu ne parles pas comme tu es en train de parler là. Tu as pris le blanc, tu es parti faire l'emprunt avec le blanc, tu t'es marié avec. Tu as pris ta gnasseuse là, ta. Tu es parti dormir, habiter avec elle dans la maison du blanc. Il a pris le crédit pour toi. Tous les jours, quelqu'un dort seul dans l'autre chambre. Tous les jours, il est là, il t'entend jouir. Hey, 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 avec une autre femme. Et tu crois que c'est facile? Il vous a foutu de. Maman, la bouche de l'iso. Oh, oh. Maman, je vais rater le train. Attendez. Je descends bien voir où je dois prendre le train. Yeah! Non, ne m'embrouillez pas. Je dois parler du sujet là. Parce que, vous savez, dans la vie, quand on décide de venir sur les réseaux sociaux, quand on se dit terriblement marié, quand on se dit, ah, je peux prendre celui-là, moi. Ah, si je prends celui-là, je vais devoir arrêter ma vidéo tout de suite. What the? Si je prends la vidéo, là, si je prends le train, si je vais arrêter la vidéo. Je n'aime pas quand je parle, je mets les gens mal à l'aise, j'ai horreur de ça. Yeah! Le what c'est qui? Oui, c'est ton mari, on s'en bat les caouettes. Nous ne sommes plus au stade de la vie où on les idolâtrait, on les envidiait, on faisait passer le what que c'est le meilleur mari du monde. Imagine, parce que tu es venu en Europe, parce qu'il t'a ramené en Europe. Ouf! Zani! Tu permets aux blancs de venir se mêler à de nos choses de Facebook et de manquer du respect à une de tes soeurs, une de tes compatriotes. Tu es malade. Parce que tu veux trop montrer que tu es la première mariée en blanc. Maman. Je me suis mariée avec les blancs, je les ai chiés sur la gueule. Et j'assume. Je ne suis pas une pleureuse de blanc. Bon, je pleure le blanc. Non, tu fais ça à qui? Te nique ta race dans ton propre pays. Pop. Regarde-moi ça. Mon mari. Jusqu'à y parler. Madame veuve joyeuse. Madame veuve joyeuse. Mais mouf. Mouf, si vous avez l'habitude de goder vos maris dans vos maisons, fermez-la. Vous avez compris? Si vous avez l'habitude de goder vos maris dans vos maisons, la ferme en public. T'as compris? Hein? Parce que quand on te voit là, ta gueule, on dirait un travelot. Et toi, foufou, ne pense pas que je te défends. Hein? Parce que je te connais. Je ne te défends pas. Mais c'est quelque chose qui ne m'a pas plu. Et tu sais que la personne, je l'évite. Elle cherchait tellement le clash avec moi depuis longtemps que je la zappe. Je zappe les bêtises. Je lui ai dit que si elle n'a pas 10 000 abonnés, elle n'aura rien de moi. Rien. Je suis une star. Oh, j'assume. Mais comme toi, ma foufou, tu sautes du coq à l'âne partout. Dès qu'on pète là-bas, tu es déjà là-bas. Dès qu'on chie là-bas, tu es déjà là-bas. Voilà alors ce qui t'amène le manque. Voilà ce qui t'amène le manque de respect. Parce que tu es partout. Tu sautes du coq à l'âne. Hein? Mamie, un homme, tu es sur les réseaux sociaux, on t'avait appelé dans nos choses. Tu es venu chercher la Starmania. Tu as fini de lécher les fesses d'un gringa. Est-ce que tu as fini de lécher les fesses d'un gringa? Avant de venir atterrir, que tu dis que c'est maintenant aussi ton mari. La honte. Maman, les commentaires de ça. Un blanc qui coche une noire. Maman! Avec l'autorisation de sa femme nègre. Un wat qui coche, qui insulte une nègre avec l'autorisation d'une nègre. Envoyez-nous les cœurs, dis donc. Envoyez-nous les cœurs. On nous envoie les têtes de mort, vous ne nous envoyez pas les cœurs. Oh, comment vous pouvez aussi faire ça? Oh. Et n'oubliez pas aussi les étoiles. Je cherche une place. Je laisse le train là partir. Oh, et vous me faites rater mon train. Hein? Voilà mon train. Je rate mon train pour vous. Vous allez me payer ça dur. Envoyez les cœurs. Quand vous voyez les têtes de mort, mes chers followers, envoyez les cœurs. Ce n'est pas trop vous demander. Vous partez où on appuie les cœurs, là, vous appuyez, piou, et on s'amuse. Oh, vous voyez que quoi, que ça va me donner des insomnies, dis donc. Je suis même à combien de pourcents
Mais je suis à 21% de batterie. Ndongo Barry, bonjour. Je cherche où aller me positionner. Parce qu'il ne faut pas que je... Si je rate le prochain train, c'est mort. Je vais attendre l'autre, il passe où ça, 21h, combien où. Hein? Tu es fier. Une nègre qui est fière de voir un blanc insulter sa sœur. Elle est fière. Maman, l'école est bien. Hein? L'école est bien. Quand l'Africain va commencer à se donner de la valeur dans le pays du blanc, il va comprendre beaucoup de choses. Même si tu es mon mari, je te dis, hey, tu me laisses régler mes problèmes avec... C'est ma sœur. C'est ma sœur africaine. Donc tu me laisses régler mes problèmes avec elle. C'est comme ça, pas autrement. C'est comme si je n'autorisais pas à fumer, à venir insulter tout le monde, toutes les femmes qui sont en clash avec moi sur les réseaux sociaux. Non, 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 non. Moi, je... Franchement, ça veut dire qu'on est... C'est pour ça que je vous dis toujours que moi, je suis un peu différente de vous. Oui, je suis différente de vous. Je ne peux pas permettre, même si c'est qui m'insulte sur les réseaux sociaux. J'essaie de mettre ça ici. Même si c'est qui m'insulte sur les réseaux sociaux, je ne peux pas permettre à Parfumée de venir insulter une femme, la gente féminine. Non, je ne peux pas. Non, non, attendez, je prends même d'abord une bière. Vous savez que on marche toujours, on a du carburant. Du carburant. On a fini la journée comme ça là. Après, je ne conduis plus. On a du carburant en cours de route. Je bois ma bière haut. À celui que ça énerve, il saute, il cale en l'air. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Regarde-moi une femme. Elle est fière, hein? La villageoisie, si c'est quelque chose, hein? Mes chers frères et sœurs, la villageoisie de certaines sœurs africaines et nos frères africains ici, là, dans le pays de blanc, si c'est quelque chose. Ils sont tellement complexés. Pour eux, le blanc, c'est comme si c'est le blanc qui... Je ne sais pas. Après Dieu, c'est le blanc, quoi. Quelqu'un qui insulte ta sœur, avec qui tu cherches les... Toi-même, tu cherches les clashs avec tout le monde. Tu cherches les clashs avec tout le monde. Tu cherches même les clashs avec moi. Depuis que tu cherches que je te clash, je fais vu et ignorer. Je t'ignore. Je t'ignore. Oh, ah. Je te fais travailler encore. Parce que quand je vais atterrir sur ta gueule, ce sera du bénévoir. Tu crois que tu peux me faire peur? Ton mari insulte veuve. Tu n'as pas honte que ton mari blanc insulte ta sœur africaine? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte que ton... Eh, Liliane Tchana, merci! Je parle de ça! Oh, c'est bien, merci ma sistou! Merci ma chérie, merci beaucoup! Eh, pas, elle se met, insulte-la! Lui aussi, il vient, machin, machin, machin. Si tu ne veux pas être sur les réseaux sociaux, tu dégages. Et c'est elle qui nous envoie les têtes de mort là. Parce que je la connais. Elle dort sur ma page, elle mange sur ma page, elle rêve sur ma page, elle règle sur ma page. Si elle règle même encore, parce qu'elle doit être ménopausée celle-là. Elle est là sur ma page. Tous mes faits et gestes, elle voit. Elle dort, elle rêve de moi, elle rêve même que je l'ambinda. Je ne peux pas m'binda une femme comme toi, saleté. Tu fais le njansang. Tu as vu ma bouche? Tu as vu ma langue? Je ne la fourre pas dans n'importe quel chat de merde. Tu fais le njansang, tu es banni d'office. Saleté, les odeurs de ça. Toi, ne rêve même pas. Donc, si tu veux que tu rêves de moi, Jean-Jean, là, mieux tu es bio ou tu es une vraie brune. Quand une femme est une vraie brune, alors, maniaka ma bobé. Mais si tu es alors noir, tu fais le njansang à haute outrance, saleté, ta chatte, ça pue, le njansang, l'hydroquinone, le saboula, le mouvat. Une femme, tu peux être amoureuse d'une autre femme qui ne te calcule pas. Hein? Tu peux être amoureuse d'une autre femme qui ne te calcule pas, mamie. Hein? On peut être amoureuse d'une autre femme qui ne te calcule pas. Depuis que tu as commencé à m'insulter, je t'ai calculé. Si je fais la vidéo sur aujourd'hui, c'est juste pour te refaire un petit rappel à l'ordre. Que c'est entre nous les filles.
C'est entre nous les filles. On ne mêle pas les maris dans nos histoires. Je ne permets pas à ce que le mari d'une fille qui est sur la toile vienne insulter une autre fille. Même si c'est mon ennemi, je mets ma caméra, je t'insulte. Attendez, bon coup. Tu n'as pas honte. Tu es encore à l'air du blanc. Oh, oh le blanc. Oh mon mari blanc. Une villageoise. Le français de ça. La cile. Tu dois retourner à la cile. Tu ressembles à ta patronne. Comme tu dis que c'est ta patronne. Tu n'as pas honte. Une femme comme toi. Tu viens sur les réseaux sociaux. Taper sur la patronne. Ma patronne. 2 plus 1, 2. 2 plus 1, 23. 2 plus 1, 23. Maman, on voit les gens. Les gens qui supportent un gringa. 2 plus 3, 23. Et l'autre qui pond les inepties. Maman, vous la, tu ne peux pas l'écouter 5 minutes si tu en as un peu dans la ciboule. Je crois que les gens qui l'écoutent, c'est parce qu'ils n'ont pas aussi été à l'école. Hein? Je l'ai dit que et elle est française. La France aussi donne la nationalité là, n'importe quelle. C'est toujours le fait d'avoir assumé le mariage là. Hein? C'est toujours le fait d'avoir assumé le mariage là. Maman, le français tombe, on ramasse. Je peux même clasher. Je crois que je peux clasher avec une personne comme toi. Je clash avec des intellectuels. Même Gringa, détrompe-toi. Si Gringa n'était pas Gringa, je ne clasherais pas avec elle. Mais c'est Gringa. Toi, je ne vais jamais clasher avec toi. Je t'ai dit que 10 000 abonnés, quand tu atteins 10 000, je viens t'aider à avoir 11 000. Un blanc. Les souffreteuses de Mbeng. Les complexés de leur vie. Mon mari. Mon mari blanc, tu laisses un blanc insulter ta soeur africaine parce que c'est Facebook. Veuve, t'as même déjà entouré sa cabinet depuis le temps. Elle t'insulte même sur ses pages, tu reviens toujours parce que tu cherches à exister quelque part. Tu peux venir me bilan sur ma page, je te calcule. Mouf! Hein? Tu peux venir sur ma page, me bilan, je te calcule. Je te calcule pas, t'es rien. T'es zéro, tu vaux rien. T'as compris? Tu laisses ton mari insulter veuve en vertu de quoi? C'est elle qui t'a dit de venir. Qui t'a dit de venir souvent la prononcer dans ses lives? Jusqu'à tu fais l'intéressante. Tu as déjà fait le filtre. Le filtre même ne prend plus. Le saboula ne prend plus. Le mouvat ne prend plus. Les kinto, les anti-kinto ne prennent plus. Ce que ta patronne ou elle vendait à l'époque 1900, ouais, ça ne prend plus. Tu mets maintenant l'eau de Javel pure. Yeah, c'est quel complexe. C'est quel complexe. C'est quel complexe. C'est quel complexe. Je te demande ça. Tu permets à un blanc de venir insulter ma soeur africaine. On te dit que je peux demander à parfumer que... Hein? Parfumer s'est déjà fait déchiqueter sur les réseaux sociaux ici et insulter de tous les noms d'oiseaux du monde. Tu l'as vu aller insulter quelqu'un? Je lui dis toujours que hey, papa, laisse-moi avec mes soeurs. Laisse-moi avec mes soeurs. Je me renverse avec mes soeurs là-bas. C'est de moi qu'il s'agit. Mais je ne te permets pas parce que tu es un homme. Les hommes, classe, n'insultent pas les femmes. C'est comme ça et pas autrement. Quand vous partez ramasser les vendeurs, les petits blancs, les aïe. C'est-à-dire que le genre de blanc qu'est, hein, que quelqu'un a une dette de 40 ans, 45 ans sur son dos. Oh, voilà ma maison, voilà ma maison. Hein, voilà ma maison. 45 ans de dette. Tu pars ramasser un petit clodo. Clochard, il est où? Je voyais un passer là. Un clochard blanc. Clochard, clochard. Il boit le mousson. Mousson, les dents jaunes. Et ce sont les dents là qui bouffent ta chatte. Ce sont les dents là qui bouffent ta chatte. Me sont vite niais. Tu fais comme ça. Tu as la patte sur tes doigts.
Tu fais comme ça, tu as la patte sur tes doigts. Maman, tu embrasses la bouche là. You are filming you, yum. Tu lui mets la langue dans la bouche, mamie. Tu lui mets la. Je vomis toute la Heineken que j'ai bu là. Je vomis toute la Heineken que j'ai bu. Tu mets ta langue dans la bouche du vieux Watt là. Vrai, vrai, les hauts de cœur montent. Clodo, oh mon mari blanc, mon mari. On est encore à ce stade là, mamie. On est encore à ce stade où on se vante du blanc. Toi-même, tu as vu comment papa l'a refoulé l'autre, non? Tu as vu comment papa l'a refoulé le blanc suprême du pays ici? Papa l'a refoulé, lui a botté le cul au pays. Regarde-moi ça. Petite villageoise vendeuse de marché de Nkolundongo. On t'a ramassé au bord de la route. Le marché où il y a beaucoup les filles étonnent là. Donnez-moi le nom du marché où il y a beaucoup de filles étonnent. Voilà mon bus, mon train qui arrive. Le marché où il y a beaucoup de filles étonnent là. Au pays, ça s'appelle comment? J'oublie. On t'a ramassé là-bas. Tu es arrivé ici. Avant, tu avais couillé un blanc au pays. Les filles qui n'ont jamais baisé les blancs au pays, quand ils arrivent ici, ils baisent un clochard. Elles ont la chatte en feu. Non, c'est pas un fundi. C'est pas un fundi. Non, non, c'est pas un fundi. Pas un fundi. C'est encore un autre nom. Ma qui me témoigne. C'est sur la route de Okolo. C'est Okoloa ou c'est. Sur la route des étonnes là, elles sont là-bas nombreuses, nombreuses comme ça. C'est pas Mfundi, mais ici Mfundi, ici Mfundi. Attends, là, ma kit me tenait dit. Oublie le nom du marché là. Pourtant, j'ai été là-bas. J'étais là-bas, elles discutent les prix jusqu'à. Des discuteuses des prix des marchés, tu ramènes ta marchandise, elles discutent, elles pleurent sur tes pieds. Elles pleurent. Mokolo. Ya, yeah, merci aussi. Mokolo, c'est là-bas. C'est là-bas qu'il y a toutes les filles étonnes. Ouais, les filles étonnes, je ne vous déteste. Je n'ai rien contre vous. Rien contre. Je n'ai rien contre vous, les filles étonnes, vous êtes mes soeurs. Mais là, à la guerre comme à la guerre, ça sort comme ça sort. On a ramassé votre soeur. On a ramassé votre soeur là-bas. Elle arrive ici. Elle se comporte comme si elle était au marché de Mokolo. Voilà quoi. Là-bas, il y a ça la main. Il faut la voir comment elle s'agit. Elle parle fort, elle crie ici les oreilles des gens. J'ai voulu aller la suivre. On m'a tagué là-bas qu'elle m'insultait. Ou c'est quelle salope aussi qui m'a tagué là-bas. Oh. Me voilà comme un tag, non? Il est 19h13. Attendez. Vous voyez que les blancs, ils ont encore les trains de marchandises. Il est 19h13. Je suis encore avec vous jusqu'à. Dès que le train arrive, je vous quitte. Hein? Il va savoir comment elle se comporte. Anaba Yamsalam. Quelqu'un m'a tagué là-bas un jour qu'elle m'insultait. Oh, Elise, viens écouter comment on t'insulte ici. Je suis arrivé, j'ai atterri aussi là-bas. Je dis que. Oh! Elle était tellement excitée, énervée. Elle balançait son corps partout, partout. Je dis que mais celle-ci bagarre avec lui. Rien qu'elle est la caméra. Abimundumdi. Aïd Neza. J'ai voulu même l'écouter. 5 minutes, impossible de l'écouter. Je tue le chapeau. Je tue le chapeau. Oh, Brigitte Appin, bonjour ma bille. Bonjour ma grande soeur chou de moi. Bonjour Brigitte. Marie-Thérèse, bonjour. Hein?
Donc, j'arrive là-bas, j'atterris, je trouve la fille en train de se battre seule contre sa caméra. Je dis, qui est? C'est toujours de moi que la fille s'y parle comme ça. Oui, ah, tu parles de ma patronne. Oh, maman, je dis que regarde-moi. Il saoule un grand petit. En raison de l'intervention des forces de l'ordre, le train express régional numéro 857724 en provenance de Nantes et à destination de Rennes, départ initialement prévu à 19h20, est annoncé avec un retard d'environ 30 minutes. Merci de votre compréhension. 30 minutes de retard, mes gens. Si j'avais pris mon autre train, à cause de vous, je suis resté ici. Là. À cause de Facebook, je suis resté ici. Maintenant, on annonce que j'ai le retard de 30 minutes. Vous voyez ce que vous faites aux gens. Mieux, vous m'envoyez les étoiles. Non, non, je mérite les étoiles. À cause de vous, je suis là. Ah. Tu prends le blanc. Il commence à insulter. Il t'a d'abord envoyé venir t'occuper de nos choses de Facebook. On te connaissait. Hein? Tu cherches ta stamania. Cherche ta stamania en douce. Comme moi-même, Elise, j'ai fait. Cherche ta stamania en douce. Ne permets pas à ton mari de venir s'occuper de nos histoires de filles de Facebook. Moi, je vous dis... Hein, il arrivait parfois, pas à fumer, lui-même dit que non, non, non. J'ai dit que mon mari. Et les histoires des femmes. Hein? Les histoires des femmes. Ce sera tellement mal vu si toi-même tu parles là-bas. Et qui est mon mari? Laisse, on va, je vais gérer ça. Celui que je peux répondre, je réponds. Celui que je ne peux. Oh, manga jolie, ma soeur, à moi, chérie d'amour. Merci, mon amour de soeur, manga jolie. Merci. Merci, merci, merci. Oui, j'ai raté le train. Je n'ai pas raté. J'ai zappé le train pour être avec vous. En croyant que celui-ci que je vais prendre là va m'amener tout de suite. Maintenant, ils annoncent qu'il est en retard. Sauter 30 minutes. Il n'y a que les jeunes ici. Un petit jeune couple là-bas. Ils se mangent la bouche depuis tout à l'heure là. Donc, moi, je suis là seule avec ma bière. Hein? Voilà ma part de chérie sur les quais. Votre fille est en train, c'est une petite fille noire. Elle est en train de rire grave quand elle a entendu que les gens se mangent là. Elle rigole jusqu'à. Elle dit que nos tata africaines ici. Moi, je me mange la bouche. Je me mange la bouche avec ma Heineken. C'est comme ça. Quand ton Congo ça de casse la chicotte, qui vient dire qu'on casse la chicotte? Casse la chicotte, je ne te pensais pas idiote. Hein? Non, casse la chicotte, tu me déçois, ma chérie. Casse, tu me déçois. Je ne te pensais pas une fille idiote. Je te jure. Moi, je t'ai rencontré une fois. On s'est vu combien de fois en casse? Je crois qu'on s'est vu 3 ou 4 fois. Non, pour être honnête, voilà les internautes, je les prends à témoin. Je crois que j'ai vu une casse 3 ou 4 fois dans ma vie. Si je me trompe, elle va dire que je me trompe. Peut-être 3 fois sûr, mais 4 fois, je ne suis pas trop sûr. Et c'est une femme qui, une casse, elle a de la prestance. Hein. Elle est d'abord grande, elle est costaud, elle fait mal, quoi. Oui, oui, si elle a une chukintu, ça ne peut qu'être vrai. Qu'elle a une chukintu. Elle fait mal, mais elle s'habille en féminine, là. C'est une belle femme. Très belle femme. Je ne dis pas ça pour dire que comme... qu'elle est moins... Mesdames, votre attention, s'il vous plaît. En raison du retard du TER 857-724 à destination de Rennes, vous êtes autorisé exceptionnellement à monter à bord des TGV 8093 et 8033 pour les arrêts de Vitré et Rennes. Merci de votre attention. On dit qu'on va prendre notre train. On va prendre le TGV, on ne prend plus... On dit qu'on va prendre plutôt le TGV qui va passer. On ne prend plus le TER.
C'est toujours eux qui disent. Moi, j'attends toujours. Bon. Non, elle n'a rien dit, Élise. Ah bon, Claire Massy. Je te croyais intelligent. Moi, je te parle en toute honnêteté. Tu sais que moi, je fantasme sur l'intelligence des gens. Même comme moi, je ne suis pas allé moi beaucoup à l'école. Mais si quelqu'un est intelligent, si tu en as un peu de grain dans la tête, là, ça me plaît. J'étais vraiment toujours cru très intelligente comme femme, comme dame. Mais comme on dit souvent que dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui je suis. Qui tu es, plutôt. C'est vrai. Quand j'ai vu le nombre de fois que Veuve Joyeuse t'a chassé en live, t'a méprisé en live, t'a descendu en live, j'ai dit que pour une femme qui a du caractère, moi j'ai du caractère. Je viens dans ton live, tu me parles même, tu ne me verras plus jamais. Je dis que plus jamais. Oh, si je veux te voir, je pars à YouTube. Il a d'abord dit, après elle m'a dit, non, c'est votre game. Je dis, non, il y a game et game. Quand quelqu'un baisse ton estime devant le monde entier, Facebook, ça veut dire que tu es une merde. Disons-nous la vérité. Quelqu'un qui baisse ton estime devant le monde entier, ça veut dire que tu es une merde. C'est tout. Et Veuve a l'habitude de faire ça. Et c'est ce qui ne me plaît pas chez elle. Parce que elle a toujours l'habitude de baisser les gens plus bas que terre. Même les gens avec qui elle est, les gens avec qui elle a fréquenté et tout. Quand je vois que Pipito, Lolo, Yoy. Lolo, tu dis que tu es une femme de personnalité, que tu es ceci. Aujourd'hui, tu retraînes avec Veuve. Mamie, les 100 personnalités de ça. Sur les réseaux sociaux, vous faites genre, sur vos pages, vous faites genre, vous êtes des filles de caractère, on ne peut pas me dire, on ne peut pas me faire, mais pas derrière, vous n'avez pas de personnalité. Lolo, je peux te comprendre, Cass, je peux te comprendre, que la maison de veuve, c'est votre hôtel. Vous avez besoin d'aller chez veuve, parce que c'est votre chambre d'hôtel. Ah, il me reste 10% de crédit, mes amis, 10%. Je finis vite le live là, je vais aller charger à l'intérieur là-bas. Veuve vous tient, j'ai toujours dit ça. Que parce que vous êtes des femmes, que vous faites sur les réseaux sociaux, vous êtes style, mais vous n'êtes pas capable de vous payer des chambres d'hôtel un week-end à Paris. Et comme Veuve aussi, elle est comme elle est que, même moi si elle, même moi, si j'appelle Veuve, je suis à Paris, je lui dis que moi, j'en ai, moi, j'en laisse. Oh, nos problèmes. Je manque où dormir. Moi, j'en ah, tu manques où dormir à Paris et que ta soeur est là. Je vais aller dormir chez vous. Mais quand on a de la personnalité, qu'on dit qu'on a de la personnalité, on ne baisse pas aussi bas. C'est où je vous dis toujours que vous trompez vos followers. Tu es derrière le cul de veuve parce que tu sais très bien que tu es incapable de te payer une chambre d'hôtel pour 3 jours. Je connais les prix des chambres d'hôtel. Le plus bas prix de chambre d'hôtel, c'est 55 euros. Le plus moins cher, 55 euros à Paris et ses régions. Surtout où veuve se trouve là, de métro à métro. C'est pour ça que veuve vous chiffonne. Hoha, elle vous chiffonne, Hoha, parce qu'elle sait que où elle est là, vous ne pouvez pas vous passer d'elle. Parce que quand vous arrivez à Paris, un jour tu peux payer une nuit, 2, 3 jours c'est impossible. Vous commencez à compter l'argent. Hoha, oui, vous tournez, mieux vous finissez chez vous. Elle a un mot qu'elle dit toujours, hein. Veuve dit toujours un mot là. Est-ce que je vous appelle souvent? Est-ce que je vous appelle souvent? C'est toujours vous qui venez. C'est toujours vous qui dites que ma maison est sale. C'est toujours vous qui dites que moi je suis sale. Mes draps sont sales. C'est vous qui dites que je cuisine mal. Mais c'est toujours vous qui venez toujours dormir. Même quand vous venez en cachette, elle-même vient encore nous dire en douce que... Hein? Pipi, si Veuve n'avait pas parlé de ça récemment, moi-même Élise, je n'aurais pas cru que tu repartais dormir chez elle. Jamais! Jamais je n'aurais pensé que tu repartais dormir chez elle. Mais tu as besoin parce que tu es une pauvre, tu es une pauvrade. Tu es une femme qui vit dans le paraître.
Oh mon make-up, mon make-up. Le make, il n'y a que le make-up qui te bouffe tout ton argent et tu es incapable de te payer une chambre d'hôtel. Tu pars cheveuse. Elle te chicane, elle te chiffonne. Tu laisses passer l'hôtel et tu repars. Non, sans personnalité. Pareil pour Nkas. Nkas vit à. Nkas vit pas loin de la ville où Lady Ponce vit. Je ne prononce pas les noms pour préserver leur intimité. Je ne suis pas là non plus pour les balancer où ils habitent, leurs adresses et tout. Nkas vit pas loin de la ville de où Lady Ponce vit. C'est à côté de Paris, hein, à 1h30. En 1 heure, elle est à Paris. Alors, tous les week-ends, Nkas passe toute sa vie à Paris. Quand c'est avant que le Covid n'arrive même. Maintenant qu'il n'y a plus trop de Covid, que tout est ouvert. Nkas passe toute sa vie à Paris. Tous les week-ends, elle est à Paris. Elle est à Paris. Elle dort où? Elle dort où? Sans oublier la vente de pim. Toi qui ne fais que venir dire que tu es jaloux, tu es jaloux. Je vais te bloquer. Hein. Moi, je n'aime pas les gens qui. Si tu n'as pas d'argument, tu la fermes. Tu as compris? Numéro 8000. Et tu as un nouveau faux profil. Sûrement, je t'ai déjà bloqué. En provenance de Paris-Montparnasse et à destination de Saint-Malo et Rennes, départ 19h29, vont entrer en gare. Voilà. Voie 1. Et voilà le train qu'on nous a. On nous a proposé de prendre. Maman, je prends le train là. Facebook ne me paye rien. Vous m'avez pas, vous ne m'envoyez pas les étoiles et vous êtes là. Vous êtes là, vous voulez que je vous parle seulement des Congossa de Facebook. Envoyez-moi alors les étoiles, on fait le Congossa. Je peux me laisser passer le TGV si j'attends mon train qui arrive dans 30 minutes. Je laisse passer le TGV. La première personne qui m'envoie les étoiles là, je laisse partir le TGV. Ici, c'est les premières classes. De toute façon, on nous a dit qu'on peut monter où on veut. Je m'en vais au bar. Le bar est de quel côté? Je m'en vais au bar. Ouh, 200 étoiles. Mais est-ce que... Donc, vous voulez que je reste, hein? On nous a dit qu'on monte ici, là. Oui, c'est ça, madame. Oh, merci. Bon, je crois que je vais rester parce que mes followers m'envoient des sous, là. Je reste, hein? Je reste où je pars. On m'en va au bar. On va aller causer au bar. Je vais payer. Pas au bar du train. Là-bas, je bois, je picole. C'est mon argent. Et puis, si je peux charger le téléphone là-bas, parce qu'on n'a plus beaucoup de batterie. Maman, je serai allée m'asseoir en première classe. Bonsoir. J'ai pas pris ici, hein, monsieur. Mais c'est gentil, regardez. Je viens avec ma bouteille, donc. Bonne dégustation. Merci. L'hôtel est meilleur, en fait. Quand je faisais encore les badouilles, c'est ici mon, c'était mon coin préféré pour trouver les bons watts. Quand j'étais encore jeune, je m'asseyais ici au bar. Ah, tu vois, il est vrai blanc. Bon, j'espère qu'on a quand même le droit de causer ici comme on veut. C'est interdit de télécommuniquer ici ou quoi? Je ne pense pas. Le vendeur même du bar, il a déjà l'air bien avancé aussi. Hein? Je crois que je vais aller faire ami avec lui. Voilà, mes gens, il me faut la batterie. La batterie. 5%. Non, ça ne va pas se faire. 5% de batterie. Et quand vous voyez vos gens là, c'est la vente de piment que vous voulez voir dans la maison des veuves. Attention à la fermeture des portes. Attendez un peu.
je vais vous faire. Ah, c'est gentil. Comment on peut mettre un chargeur ici? Comme ça, déjà, vous pouvez vous déplacer ici, c'est pas le programme. Attendez, je demande un peu au vendeur là. Où je peux charger ici pour bien causer avec vous, non? Nkas, c'est qui, non, ma grande? Tu ne connais pas Nkas? Nkas, c'est une star en l'air. C'est pour ça qu'elle bouffe le nia. Ma soeur! Bonjour, madame. Bonjour. Ma soeur. C'est instinctif. Je peux changer mon téléphone aussi? Nous, on ne charge pas mes téléphones. Non. Parce qu'il y a des coupures d'électricité. Il n'y a que le barista qui utilise. Donc, il faut aller. Oui, sur... dans une voiture. Là-bas, c'est la première déjà. Oui, mais peu importe si vous passez entre les voitures. Vous savez, il y a des petits sièges, il y a des prises au-dessus. Ok. Donc, ok, super. Voilà notre soeur. Elle travaille. Elle est une bosseuse. C'est pas tout le monde qui vend le piment en Europe. Vous avez compris. Au lieu d'avoir méprisé les piments. Par contre, si vous téléphonez, vous restez en dehors. Oui, oui, je veux juste charger. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je respecte. C'est quand je m'habille bien, c'est que je reçois et je fais la cuisine. Alors, on va regarder. Je vais demander à Dominique. Ah ben voilà. Là j'étais chez Hugo. Vous allez où? Là j'étais avec vos gosses. J'ai dit que quand j'étais. Pardon. J'ai dit que quand j'étais jeune. Voilà une jeune fille qui, une jeune fille blanche qui travaille à la SNCF. Félicitez nos sœurs. Ce sont elles qui doivent laver l'image de la femme africaine ici en Europe. Ce sont elles. Vous avez compris?